chin up. Stay praying on a sinner. Whoa, whoa, if I make it, it's a winner. Put a Frank on my shit, let it bang in the whip. I don't break hits for nothing. Ayy, Zaddy keep on tapping that percussion. Ayy, Flyboy, he the shit that keep him buzzing. Ayy, would I even say it if he wasn't? Y'all hear me though. Ayy, got the cuts, y'all ain't here before. Ayy, that's what's up, keep it on the low. Ayy, see my brain like a crystal ball. Whoa, 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 whoa. Bonjour, V. Faut qu'on parle. Oui, je sais. Elisabeth m'a mis au courant. J'ai donc eu raison d'engager un professionnel. Elisabeth, elle vous a dit quoi exactement? L'essentiel. À savoir que SSI nous espionnait pour cet enfoiré de Holt. Maintenant, je veux des détails. SSI bossait pas pour Holt. Vous êtes bien plus dans la merde que vous le croyez. C'est-à-dire? Ils sont dans votre tête, Jefferson. La vôtre et celle d'Elisabeth. C'est censé être une métaphore humoristique. Les rêves bizarres, les souvenirs partiels ou embrouillés, c'est pas juste dû au stress et à la fatigue. Je ne sais pas ce que vous essayez de me dire, mais je sens que ça ne va pas me plaire. Ouvrez les yeux! C'est le foutoir dans votre cerveau! Pire qu'au rayon discount d'un boui-boui ADS! Je ne vous paie pas pour jouer aux devinettes, alors venez-en au fait. SSI est à la solde d'un groupe mystère qui fait tout pour contrôler vos vies. Vous savez qu'il y a une pièce secrète dans votre appartement? Ah. Continuez. Elle est bourrée de tech dont vous avez pas idée. Ces types savent tout de vous et de votre femme. Ils vous surveillent à chaque minute. Quelqu'un a hacké votre vie, redéfini vos objectifs, votre carrière. J'admets avoir bénéficié de quelques heureuses coïncidences, mais... Ils ont fabriqué vos opinions, votre personnalité, même ce foutu scepticisme qui me gonfle chez vous. Une chose est claire, c'est qu'ils veulent faire de vous leur mère. Ils vous façonnent comme un petit soldat en argile. Merde. Il faut vraiment que je retrouve qui m'a recommandé SSI. Vos souvenirs. Même ça, vous pouvez plus vous y fier. Si c'est vrai, je ne saurai jamais ce qui est réel. Et ce qui a été créé de toutes pièces. Attendez, l'intrus, il faut que je le trouve. Je vois pas du tout comment on s'y prendrait. Je vais le trouver, et je découvrirai qui est derrière tout ça. Je les ferai sortir de l'ombre, et ils verront à qui ils ont affaire. Ils pourraient se trahir, si vous patientez assez longtemps. Sinon, si vous êtes élu, vous pourriez utiliser votre nouvelle influence. À condition de pas tout oublier d'ici demain. L'art de la guerre. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Les feintes, ça a pas l'air d'être votre fort, Jeff. Mon Dieu, il faut que je prévienne Liz. Votre femme sait déjà tout.
Lise? Mais comment? Ça fait un moment qu'elle a tout compris. Elisabeth? Non, elle m'en aurait parlé. Elle avait peur qu'ils s'en prennent à vous, à votre fille. Je la comprends. Non, elle ne m'a jamais rien caché. Et elle n'est pas facile à effrayer, croyez-moi. Elle a reçu un holo anonyme qui lui disait de la fermer. Alors elle a fait ce que toute femme de candidat idéal aurait fait. Elle a protégé sa famille. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Je peux faire autre chose pour vous? Vous en avez déjà assez fait, mais la seule chose à faire, c'est attendre. Et alors? Vous voulez toujours devenir maire? Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je ne me suis pas présenté pour... J'attendrai le moment opportun. Et je passerai à l'attaque. Et c'est pas exactement ce qu'ils veulent? Mais je leur réserve des surprises, croyez-moi. Vous avez bien mérité un bonus. Prenez soin de vous. Et... Bonne chance. Et bonne nuit. Alors, t'en penses quoi? Curieusement, je doute que des gens soient derrière tout ça. Les Martiens, alors? Très drôle. T'es trop jeune pour t'en souvenir. Mais il n'y a pas si longtemps, les gens parlaient d'IA corrompue dans le cyberespace. C'est pas les Martiens, alors? Peu importe qui c'est. Tout ce que je vois, c'est que ce type va pas se laisser faire. Respect. On les reconnaît à leurs yeux bleus et froids. Ces créatures sont nées il y a des siècles sur la glace de l'Antarctique. Ils cachent leur vrai visage sous des masques en peau humaine. Ces serpents à deux visages sont les oppresseurs de l'humanité. Si ça peut les trahir aussi facilement, ils vont pas s'installer des optiques ou mettre des lentilles de contact? Si seulement c'était aussi simple. Ce sont des reptiles. Leur système nerveux n'est pas compatible avec les implants cybernétiques humains. Alors, pourquoi leur charcutoc en invente pas? Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne l'ont pas déjà fait? Et d'où ces monstres proviennent-ils? D'Antarctique, tu l'as déjà dit. Aujourd'hui, ils se cachent dans la glace et la neige du pôle sud, usurpant peu à peu notre couronne d'élus de la création. Il y a des millions d'années, ils ont évolué à partir des dinosaures pour devenir la première race intelligente et évoluée du monde. Et qui les a créés? Leurs maîtres, les scientifiques d'Alpha du Centaure. Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don? Pour poursuivre ma mission.
ton esprit, taré. Et serre tant pour trouver un boulot. Ça apportera quoi de bon si ce sont eux qui récoltent les fruits de notre travail? Si vous ne prêtez pas attention à leur existence, ils ont déjà gagné. Qu'est-ce que... Tu les mates? Les ondes radio à bord. Et quand tu traînes avec ce genre de tchoum? J'ai vu d'autres fresques troublantes. Ça commence à prendre un sens. Elle raconte quelque chose. Ben, si c'est le cas, ça m'échappe. Le tarot raconte le voyage d'un fou. Montre-moi ce que tu as trouvé. Je te dirai ce qu'il te manque. Tiens. Il te manque encore deux arcanes. Le jugement et le diable. Je suppose qu'elles sont liées à un tournant dans ta vie. Un moment qui se produira bientôt. Ce jugement, il indique quoi? Un avenir possible. Une rédemption, une transition, un éveil. L'ange avec la trompette symbolise la fin d'une époque. Et l'appel de la renaissance. Un nouveau commencement. Je préférerais pas tomber sur le diable. Il m'inspire pas. C'est la carte des désirs enfouis, primitifs, mais aussi de la volonté de survivre. Ça m'a pas l'air si mal. Il représente aussi un faux monde. Le piège que te tendent ces désirs. Tu peux m'en dire plus sur ce fou? Le fou, c'est toi et Silverhand. Vous avez fait un long chemin ensemble. Découvert votre potentiel. Et on va où? Votre destination, c'est le monde. Le dernier arcane. Vous avez tous les deux livré une guerre contre le monde, alors il y a deux possibilités. Remporter la victoire, ou faire la paix. On pourrait aussi perdre cette guerre. Oui. C'est vrai, malheureusement. Merci. Même si... ça m'avance pas trop. Tu comprendras le moment venu. Je peux pas tout t'expliquer. Tout ce que le tarot m'indique, c'est que quatre chemins peuvent te conduire au monde. C'est-à-dire? La dernière partie du voyage traverse le soleil, l'étoile, la tempérance ou le diable. Je pourrais mourir avant d'aller aussi loin. Arrête, tu te débrouilleras pour que ça n'arrive pas. Tiens, c'est tout ce que je peux faire pour t'aider. Bonne chance, V. Quelle que soit la route que tu choisiras. Si vous ne prêtez pas attention à leur existence... Les ondes radio apportent la vérité. Si vous avez des oreilles, écoutez. Si vous avez des yeux, regardez. Leurs vaisseaux sont dissimulés. Préparez-vous, car ils arrivent. Dawnwalker.
chercher? Une déesse hard? Un truc plus soft? Vous avez pas des vraies filles? On emploie des danseuses ici. Pas des gagneuses, ni des poupées. Oh. Salut V. Ouais, qu'on s'amuse. J'ai un client, Larry Fangorn, qui dit que son associé Adam l'a élevé. C'est un club qui s'appelle l'Empassy. Larry veut retrouver sa place et... Il s'avère qu'on est là pour aider les gens, pas vrai? Enfin bon, en même temps, l'industrie des clubs, ça a toujours été riche en coups de pute. Les détails sont en PJ. Bienvenue. Allez-y, je vous en prie. Nikura! Aucun charme par rapport à nous. C'était vraiment du grand art. T'es rentré, t'as installé ce qu'il te fallait et t'es ressorti comme si de rien n'était. Le contrat est bouclé. ああ。どんな夢も現実に。
健康肉なら食中毒の危険もなくお金も節約できます。イージービーズ安心の健康。Tiger Claw m'a appelé il y a pas longtemps pour me demander de l'aide après avoir été attaqué par un certain Aki. En tout cas, c'est comme ça qu'ils appellent le renégat qui les traque. Ils s'attaquent aux siens de manière aussi discrète que spectaculaire. Mon petit doigt me dit que Aki a fait une crise de cyberpsychose. Mais j'aimerais en être sûre. Évite de le tuer si tu peux faire autrement. Et pense à surveiller tes arrières.
tir précoce. Désolé, c'est la première fois que ça marche. Des meurtres sont commis par des hommes, comme vous. Sur les données d'utilisation est disponible. Dites quelque chose pour continuer. Quelque chose. Tentative d'humour détectée. Réponse automatique. Ha, ha, ha. On ne me l'avait encore jamais faite, celle-là. Utilisateur, je vous ai aidé à tuer plus de 50 personnes. Mode tueur sans pitié désactivé. Dorénavant, seul le mode pacifiste ami des animaux sera disponible. Merci. Mais pourquoi... pourquoi c'est bloqué? Ouverture de la foire aux questions. Objet, pourquoi ne puis-je pas tuer plus de 50 personnes? Réponse, vous êtes complètement dingue, allez voir un psy, espèce de taré. Note, ne pas oublier de réécrire ça plus tard. Merde, y a moyen d'annuler? Vérification en cours. Pom pom bidom pom. Réponse trouvée. Non. Permission refusée. Je suis ravi d'avoir pu vous aider.
Frakes et Gustavo Horta. Les Roméo et Juliette de Vista del Rey. Tu connais Roméo et Juliette, je suppose. Eh ben là, c'est un peu pareil. Marta est à l'hôpital dans le coma et son père veut faire payer Gustavo. C'est là que tu entres en scène, fait. Fais ça rapidement. Détail au PJ. De paniquer et passe à l'action. Coupez le tendon d'Achille. C'est le gros derrière la cheville. Ça apprendra à cet abruti à payer ses dettes en temps et en heure. Et s'il pige toujours pas, au moins, il pourra pas courir.
Fleischer se retrouve à sa place, dans un coffre. Gustavo subit maintenant les purgatoires qu'il mérite. Ça lui laissera peut-être le temps de faire son examen de conscience. Espérons qu'il la trouvera avant que le coffre ne se rouvre. Notre contrat est terminé. Mets-en une couche. Et vas-y, prends. Merdeux! Non, pitié, arrêtez! T'as mis du sang sur mes pompes! Je suis désolé. Plus fort! Je suis désolé! Non, attendez! J'ai rien vu! J'ai rien entendu, je vous le jure! Pourquoi il te tapait dessus ? Parce que c'est un putain de taré comme tous les autres. Oh, heureusement que vous étiez là. Et pourquoi on t'a arrêté ? Pour rien. C'était une erreur. Il y a combien de gardes ici ? Deux ou trois ? Réfléchis bien. J'en sais rien. Ils ont tous la même gueule. Il y en a au moins un en bas, ça j'en suis sûr. Ok, la porte est ouverte. Tu fais ce que tu veux. D'accord. J'ai assez de problèmes comme ça.
Et vous regardez WDNS News. Une ville morte fait l'actualité aujourd'hui. Suite à l'utilisation massive d'armes biologiques à Busan durant le conflit entre Militech et Arasaka au début. Salut! Ça en est où avec les Askrax? Ça avance? Ouais, elles viennent de m'envoyer une démo à écouter. Tu sais, ce sera jamais mon univers. Mais bon. Ça me fait plaisir d'ajouter un peu de sang et de chrome dans leur laser pop. Et il avance bien, ce nouvel album? Je pense l'appeler Terry Eurodyne. De façon symbolique, tu vois, pour ma renaissance. J'écoute les nouveaux morceaux et... c'est comme être dans un putain de musée de cire, face aux anciens moi. C'est un peu bizarre, mais... c'est quand même génial. Tu me fais écouter? Pas encore. Il reste pas mal de boulot, mais ça prend forme.
T'as fait quoi après la séparation de Samouraï? Je parie qu'il est allé se retrouver, sûrement sur une plage paumée des Philippines. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. J'ai passé 2 ans à m'asbatter. Je suis retourné à mes racines. Qu'est-ce que je disais? Il passait sûrement ses journées à planer, et c'est lui à baiser tout ce qui bougeait. Ça t'a aidé? Finalement, ouais. Et pour le reste de l'histoire, c'est dans les médias. Comment va Kovacek? Il s'est pas encore jeté dans la baie de Coronado? Il le fera. Ah, le cul de ce connard. Je romps le contrat. Il peut aller se faire foutre, même si je dois lâcher quelques édits au passage. Pour la suite, on verra bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi? Notre petit acte d'anarchie, là-bas. J'ai bien kiffé, en fait. Pareil. Mais j'espère que les filles d'Askrax sont moins appréciées. En parlant d'anarchie, comment t'en es venu à ça? À ce... Enfin... Tu veux savoir pourquoi je fais ce boulot? Ouais. Pourquoi? C'est arrivé comme ça. Je suis venu à Night City, j'ai pris un premier boulot, puis un autre. Et ça s'est enchaîné. Mais avant Night City, tu traînais où? Avec les nomades, la famille Backer. Et c'est parti en vrille. Je suis seul maintenant. Ok, je comprends comment on a semé les flics aussi vite. Vous avez ça dans le sang. Vous faites qu'un avec votre caisse, hein? Ah, les stéréotypes, Kiri. Tu connais combien de nomades à part moi? Eh, attends. J'ai eu ma phase DS de nomade. C'était de la folie. Oh, et on a aussi fait venir un cascadeur d'un clan. Pour tourner la vidéo de Born Stupid. C'est ce que je pensais. C'est pas très poli, mais ça fait rien. Scully in the gullies, yo. Bully in the burrows, oh. Finna take your money, yo. That ice shoot, cause we throw. Way too demo, pack that heat. Way too ghetto, run the streets. Read that memo, live that creed. All I need is greed and green. Read it and weep, counting them sheep. Using the silence, put you to sleep. Bag of the beef, take it.